Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du Decade Challenge. Pendant que nos petits fantômes préférés, Hélène et Lionel, se retrouvent pour boire un coup dans la salle à manger, notre petite famille bien vivante des deux Saint-Paul dort tranquille. Bon, on a déjà un petit bam bang, Bambino qui est déjà debout. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas regarder ton papa. Oh, mon papa, il est beau, il est grand, il est fort et il est roux. Comme moi! Enfin, sauf que moi, je suis petit. Ouais! Le petit déj est prêt! Allez, les monstres! C'est l'heure! Venez tous, les quatre gosses, là! Les quatre morphales, je crois que lui, il a mangé, du coup. Bah, écoute, fais ta life. Petit déj! Ah, l'esprit de Raphaël est en train de disparaître. Ah, au niveau 6, combien... Ah, celui de Chantal aussi. Mais bon, Raphaël, c'était étant le père biologique de notre belle Esther. Bon, après, on s'en fiche aussi parce que... Voilà, il est parti il y a longtemps. Il ne fait plus partie de la famille depuis une éternité. C'est l'heure pour... Bah ouais, c'est l'heure. Emma va en cours, toute jolie comme elle est. Et bah, il va pas tarder, Mathis, non plus. Hein. Tu vas finir ton petit-déj et puis tu pourras y aller, mon petit. Allez hop, il va un peu jouer aux réseaux sociaux pour avoir les 1000 abonnés, hein, parce qu'on n'y a pas encore. 785, 960, waouh! Oh bah je pense qu'on est presque bon là. Oui, ça y est, il aura sa promotion normalement. Bravo Alexander. Un petit peu de jardin, parce qu'il le faut bien. Ah oui, j'entends les petites... doit être Furax, ouais, c'est ça. Alors, pour le boulot d'Esther, ça va être facile. Réaliser une œuvre de street art pendant 2 heures et écrire pendant 2 heures. Donc, c'est cool. Pendant que les deux petits morpions continuent de jouer tranquillement avec la maison de poupée. Ils sont sages, ils sont mignons. Moi, ça me va très bien, les gosses comme ça. Hein. Allez, petit. Oh, il est trop mignon, lui. Galope, il galope. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pas faire une sieste, quand même? Avec son sourire là et grand sourire. Ah bah si, ok. Bon bah, moi je me dis, au moins quand il roupille, ben ils hurlent pas. Par contre, elle, je pense qu'elle va se mettre à hurler. Ah non, elle va se balader. Mais qu'est-ce que fout la tulipe? Comme ça, d'où elle vient cette tulipe? Je me souviens pas avoir eu des tulipes dans mon jardin, fut un temps. Non, écoutez, il y a une tulipe qui est venue du... Voilà, du cosmos. Le monde nous a envoyé une petite tulipe. C'est bien la fifi à sa maman, ça. J'aime bien, elle est en train de taguer dans son jardin. Au début, elle se protégeait des sprays et tout. Maintenant, c'est bon, elle assume, tranquille. C'est bientôt anniversaire de Ambre. Ben oui, c'est bientôt l'anniversaire d'Ambrette. Qui grandit dans un jour. Je sais qu'il n'y avait déjà pas une très très grosse marge entre Emma et les jumeaux, mais quand même. Bah lui aussi, ok, bah oui, bah c'est logique qu'ils sont jumeaux, mais bon. Ok, bon bah je vais fêter l'anniversaire un peu plus vite que prévu des jumeaux. Enfin je sais pas, si c'est là on est mercredi, si c'est le jeudi ou ils parlent du vendredi, je ne sais pas. Oh ok Bichette, je pense que tu peux arrêter le street art, tu en as fait pendant 2 heures. Et tu réponds à ta sœur qui t'a appelé. Et tu iras travailler. Et les jumeaux sont d'un calme. C'est génial. Waouh, braval, mon petit Mathis. Il a eu un A. Oh, et Alexander a bien eu sa promotion. Où es-tu, Alexander? Le plus beau de mon cœur. Il a été promu créateur de vidéos de chats. Meilleur animal du monde, après les licornes et les dragons, évidemment. En tout cas, dans le monde réel, les chats, c'est les meilleurs. Il gagnera désormais 21 simplus de plus par heure, soit 56 simplus de l'heure au total. Il a également reçu en bonus des affiches, diffusé des séances de jeux vidéo en direct. Oh, enregistrer les fulminations et crier depuis un endroit. Crier depuis de Saint Paul House. Allez, mon petit, tu vas crier. Je sais pas qu'est-ce que tu vas crier, mais tu vas crier. C'est un peu débile, mais bon, pourquoi pas. Tiens, pendant que le majordome prend son bain, comme d'habitude, a obtenu 1500 abonnés. Waouh. Oh, un peu de balançoire pour les deux plus grands. C'est trop mignon. Ça s'amuse. Doucement, mais ça s'amuse. Et voilà, les tâches sont terminées pour la belle Esther. Elle a fait tout ce qu'il fallait.
Et puis bah tu vas maintenant t'occuper de toi un petit peu. Oh bah voilà, ce qui devait arriver arriva. Nadine est morte. La dernière de la génération d'Hélène. Oh, Nadinette. Bah voyons! C'est Eva qui arrive à la maison qui va faire la vaisselle. Alors que lui vient de se dire « Oh, c'est propre ici !» Bah non, en fait, gars. Bon, après, ils ont tendance à la poser sur la table que j'ai rétrécie. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il ça... Bah non, parce que elle y arrive bien. Bon. Allez, Esther, ta sœur, elle va te réconforter un petit peu, non? Tu vas te plaindre de problèmes, ça ira mieux. Tu vas illuminer sa journée. Tu vas la lancer tendrement. Mais j'ai encore des gens chelous qui viennent chez nous, là? Qui viennent toquer à la porte? Gabriel Leroy, vous croyez qu'avec votre tronche de skinhead, on va vous ouvrir? Nous, on est des gens bien. Oh là là, skinhead, et puis en plus, les sourcils roses, non mais dites. Non mais ça va, nous, on est des gens respectables. Hein, on est de Saint-Paul, quand même. Merde, alors. Oh, dis donc, Esther, elle va bientôt devenir adulte. On a encore 5 jours pour voir, donc elle est pas là de mourir. Hein. On a le temps, je pense qu'elle restera là encore longtemps. On m'a demandé de checker l'arbre généalogique de la famille. Et puis en même temps, je voulais voir si nous avions des nouveaux membres dans la famille. Au tout départ, c'était Pierre-Nard et Joséphine, Albert et Marguerite. Ensuite, c'est Gigi et Florent. Hélène, la plus belle. Et Raphaël, le tombeur. Oui, 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 tout ça, c'est Raphaël qui a été faire des galipettes. Et Hélène, qui a eu ses 4 filles avec 2 hommes différents. Et donc, notre Esther qu'on connaît avec ses 4 gamins. Eva, mais Elijah, comment ça, belle-fille? Mais il a fait des gosses partout, hein. Mais t'es censée être mariée à Eva. Mais bon, c'est pas grave. Laura, on sait... Laura et comment il s'appelle, Caleb ont eu une fille aussi. Et il n'y a que Anaïs qui n'a eu aucun enfant, en tout cas pour l'instant. Et puis je n'ai pas l'impression qu'elle s'active pour en avoir. Donc voilà pour l'arbre généalogique. Si on prend notre Jojo national. Oh la vache! C'est qu'il s'étend plutôt pas mal. Hein, voilà. Et sachant qu'il en manque pas mal, parce que nous avons que Albert et Arthur ici, alors qu'ils ont eu 5 enfants. Sauf que comme nous n'avons pas les tombes et les fantômes, eh bien on les voit pas. Voilà, voilà. Et ça, c'est encore des fantômes qui sont du coup assez récents et que nous pouvons, eh bien, encore voir. Et voilà, tous les rejetons. Hein, ça va, les de Saint-Paul, les gènes de Saint-Paul sont partis un peu dans tous les sens. Oh, par contre, c'est Alexander qui vieillit, là. Oh my god, je l'ai oublié. On va lui faire un gâtal, un petit gâtal en express. Oh lolo, gâteau et caroube sans sucre. Allez, on fait régime et on va lui préparer vite fait un gâtal. Il va devenir adulte. Et j'ai complètement oublié, donc avant qu'il ne tournoie sur lui-même, on va lui faire un anniversaire express. Allez Alexander, il est l'heure pour toi de vieillir et de devenir quarantenaire. Ta da 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 da. Alexander a vieilli. Bravo! On dirait qu'il a bronzé d'un coup. Céline a envoyé un cadeau à Alexander. Mais Céline, qui es-tu? Est-ce que tu serais pas un enfant caché que tu aurais eu avant? Ce serait relou que vous fassiez... Ouais, si, parce que si. Ah oui, c'est vrai, il avait eu un gosse avec la sœur d'Esther. C'est glauque! C'est dégueulasse! Esther, pourquoi tu vaporises le monstre sous le lit du majordome? J'ai demandé, c'est censé être celui de ta fille, hein. Bon, ouais, c'est pas grave, elle ira se coucher. Oh non, pas l'ours! Non! Oh non, ça m'exaspère l'ours, moi, je suis désolée, mais c'est pas possible. Tu vas te rhabiller normal, mon petit, et si t'es pas content, tu vas aller dans ta chambre pleurer si tu veux, je m'en fous, en tout cas, tu t'en vas. Comment? C'est quoi ça? Pourquoi j'ai un tas de merde sur le lit? Un truc qui pue en plus. Je sais pas du tout qui est venu là. Et qui a fait ça. C'est très étrange. En tout cas, ça dérange pas. Ah, peut-être que si ça le dérange, la Daichi voulait pleurer dans le lit. Ah ouais, et il se rend quand même compte que c'est dégueulasse. Et alors, dans ton ancienne vie, tu étais majordome, c'était ton boulot de nettoyer? Bah non, finalement. Maintenant, il aime la merde. Et même, il aime quand c'est cracra.
Oh, Matisse, non, je t'ai dit, tu mets pas ton truc d'ours à la mort-moi la chouette là. Tu vas faire ta life, mais en mode normal. Matisse, tu te changes tout de suite. Tu vas pas aller dans l'eau. Non, mais c'est quoi cette histoire là? La piscine, c'est pas pour se laver, hein. T'es nul ou quoi? Allez hop, tu iras là. Oh, je vais m'énerver, hein, Matisse, ça va être une fessée, hein. Bah, pas besoin d'aller à Versailles pour voir les grandes eaux, hein. Il suffit de venir chez les deux Saint-Paul. Oh, Bichette. Mais Nadine est mieux où elle est maintenant, tu sais. Elle a rejoint tous ses frères et sœurs, ses parents et tout ça. Et puis bientôt ce sera notre tour. Lol. Comment il va, le petit Gasparounet? Il va bien? Oh là là. Oh là 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 là. Ils vont vraiment grandir maintenant. My God. My God. Bon ben, il semble qu'une journée, une petite fête d'anniversaire va pas tarder. Alors là, Esther, tu joues au jeu du fer à cheval qui date il y a. Fou. Hein? On l'a installé il y a bien maintenant longtemps. Il y a plus de 100 ans, si je dis pas de conneries. Dans le décade, évidemment. Hein? Le temps passe vite dans le décade. Mais il est toujours là, le petit jeu. Il est toujours là. Allez, une fois n'est pas coutume, tu vas donner un bain à Ambre parce qu'elle en a besoin. Et petit Gaspard, il va bien. Gasparounet, il va très bien. Il a bien mangé, tout ça. Il va se faire un petit pipi. Comme un grand. Et puis, ils vont bientôt clignoter, hein, ces saligauds. Alexander, c'est pas à toi de faire la vaisselle! Si tu t'ennuies. Oui, tu travailles pas, c'est pour ça. Je vais te faire aller bosser sur l'ordi, hein. Tu vas aller jouer en ligne, tiens. Le tas de merde, il est toujours sur le lit. Tout va bien. Et tu vas jouer. Tu vas simser en live sur Twitch. Allez, vas-y, go. Oh, les petits rentrent de l'école. Et dis donc, il fait chaud, hein. Ah oui, printemps 5 sur 14, il fait chaud. Elle a invité un petit copain, la petite Emma, qui fait la tête. Quoi tu ressembles, toi? Ouais? Bah, écoutez, à voir plus grand, hein, mais tu vas faire l'idiot. Qu'est-ce qui est à toi? Ah oui, t'es triste parce qu'à cause de ton ours, tu me casses les pieds. Tu vas dire bonjour aussi à ce garçon. Montre-toi sympathique. Et pendant que les grands enfants discutent, il y a le petit qui les regarde en disant « Oh, ça c'est mon grand frère, quand je vais être plus grand, je vais être comme lui. » Ouais, on rigole, mais pendant ce temps-là, les jumeaux, ils clignotent, hein. Voilà, puis elle a fait la n'importe quoi. Alors, ma petite Esther, tu vas arrêter ton yoga et tu vas préparer un gâtal pour les jumeaux. Un gâteau au miel, allez, on est parti. Bon, finalement, j'ai cédé. J'ai fait deux gâteaux au miel, un pour chaque jumeau. Et la fiesta va pouvoir commencer. Enfin, fiesta, fiesta. On s'entend, hein. Oh, qu'ils sont mignons, mes petits rourous, mes petits quinquins. Ça y est, les petits invités commencent à arriver. Les enfants sont là. Le beau Alexander, il resplendit du bonheur. Lui, il picole. Ok, super. Voilà. Oh, bah la petite Alexandra Strong, qui est la fille de Laura, a des lubies légèrement 70s sur les bords, là, avec les lunettes roses et tout. Les cousins, les sœurs, tout le monde a rien répondu à l'invitation, donc ça fait plaisir. Oh, mais je crois qu'il y a eu du drama dans l'air, là. Partenaire volage. Sauf que, effectivement, on a invité lui, Canaille Macqua, mais je pense que c'est lui, on va dire que c'est lui qui a dragué Esther, parce que bah, Esther, elle est magnifique, et qu'elle fut autrefois sa conjointe, enfin. Ils n'ont pas été mariés, mais ils ont été ensemble très peu de temps, hein. Et là, alors que ça avait été mis au clair, eh ben c'est revenu. Donc non, on va essayer de calmer ça parce que je veux pas qu'il y ait du drama. Allez, il est time pour la petite Ambrinette de grandir. Ambrette. Vu qu'elle fut la première à arriver des jumeaux, ben donc c'est elle de grandir en prince. Oh punaise, la tronche qu'elle avait quand elle a grandi, c'était pas fameux. Alors, elle a vieilli, elle sera 1 et 2 et 3 à bibliothèque. Super. Et pas pour l'aspiration, on va dire faculté sociale, j'en s'en fiche un petit peu parce que je la fais rarement. Oh là là, la coupe de cheveux courte. Est-ce que t'es jolie quand même? Parce que ce serait dommage. La seule blonde de la famille. Bon là, elle ressemble vraiment à un petit gars. Hein. Excuse-moi, Esther, je passe à travers ton ventre.
Ouais, bah là, elle me fait vraiment penser à un garçon. Donc on va attendre un peu. Et maintenant, c'est Gaspar qui grandit. Happy birthday, Gaspar! Happy birthday, Gaspar! Gaspar? Bah oui, pourquoi pas. Hein, Alexander? Esther? Gaspar? Franchement. Moi, je trouve que ça suit très bien. Attention! Oula, oula! Oh! Oh punaise, j'ai l'impression de voir la même tête que Emma, mais en garçon. Alors, il sera 1 et 2 et 3, 0 actifs. Ça, c'est très bien. Et puis, bah, vu que tu seras actif, tu auras les facultés motrices. Et voilà pour le petit. Il a l'air très mignon. Oh, il est trop joli. Il est trop mignon, ce gamin. Bon, il est colère, mais il est très beau. Et il va manger du gâteau, évidemment. Voilà nos petits jumeaux. Ce qui me fait rire, en fait, c'est que Gaspard, il a gardé la même coupe de cheveux en grandissant. Je trouve ça encore plus drôle. Oh, ils ont l'air mignons, quand même. Hein. J'ai hâte de voir tout ce petit monde en ado. Et ça va pas trop tarder, en tout cas pour le premier. Mais bon sang, mais c'est quoi cette obsession d'aller dans la piscine, là? Comment elle s'appelle déjà? Emma? Emma, tu fais quoi? Sérieux? Mais arrêtez d'aller dans la pistouche. Oula! Mais c'est Gigi qui s'énerve comme ça. Oh là là, il est passé minuit, dis donc, les fantômes débarquent. Oh, ça me casse tout, cette saleté de fantôme. Bon, il y a toujours la merde ici, je vais la foutre là, en plein milieu, voilà. On va faire un petit échange de chambre pour les garçons. Donc, bah toi, tu vas prendre celui-là de lit, voilà. Le petit Mathis va prendre la chambre la plus grande, puisque c'est l'aîné, et ça veut dire que son frère va prendre cette chambre-là. Et toi, tu vas bien prendre cette chambre-là. Non, j'avais pas cliqué sur la bonne. Elle, toi, tu gardes ta chambre ici. Oh! J'ai trop de gamins, moi! Ça, je n'y arrive plus. Mais c'est Florent aussi qui est là. Mais c'est génial. J'ai des couples qui viennent carrément en même temps en tant que fantômes. C'est trop cool. Hein? Il manque plus qu'Albert et Marguerite. Peut-être pour le prochain épisode. Bon, eh bien, Esther va se coucher. Moi, je pense que c'est là-dessus que je vais vous quitter pour cet épisode. Vu que tout le monde va... tout ce bonhomme va se coucher également. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à toujours mettre un petit comme, un petit like. Ça me fait super plaisir. J'y réponds tout le temps. À vous abonner, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Ils sont tous dans la description. Et à regarder une petite pub sur la page Utip. Évidemment, ça m'apporte quelques centimes. Et c'est très gentil. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du Decade Challenge. Salut !